Hello les amis, c'est Jeudi Dreams, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel épisode de Dreams Doll. Et je vais profiter de ce début d'épisode pour réagir à quelques petits commentaires que j'ai vus. Rien de négatif, je vais pas vous engueuler cette fois-ci, non je vous promets, vous inquiétez pas. Donc déjà, il y en a qui m'ont posé des questions par rapport aux pulipes en fait, parce que donc, bah, vous savez, parfois je fais des vidéos annonces, vlogs, et maintenant j'ai changé un petit peu le décor. On voit le bureau sur lequel il y a mon PC et où je tourne. Et donc certains ont vu les pulipes. Et donc ces pulipes en fait sont tout simplement les dolls sur lesquels dont je me suis inspirée pour créer en fait ces deux dolls. Je vais vous les montrer. Donc je vais vous montrer d'abord Queen parce que c'est la plus facile à prendre. Voilà. Donc c'est le modèle Naomi. Je m'en occupe pas trop donc pour le moment donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des poupées de collection, c'est pas des jouets, donc voilà, je préfère quand même le préciser parce que souvent on a tendance à l'oublier. Donc c'est pas sa tenue de base, c'est une robe de Barbie que j'ai achetée dans un magasin de jouets parce que voilà, elle n'est pas customisée, enfin à un moment elle avait un autre corps mais j'ai remis le corps, le bitsou de base, enfin donc le corps de base. Et donc la deuxième pulipe, donc celle pour laquelle celle qui aspire Kazay, hop, je vais vous la montrer. Cette poupée-ci, c'est une customisée, c'est le modèle Papin. Donc pour ceux qui se connaissent en tulipe, voilà. Qui était customisée, en fait, Kazay est un cadeau d'une de mes meilleures amies, en fait, mon amie Vi, que vous connaissez peut-être. Donc la Papin, donc, a déjà des cheveux roses à la base, j'ai changé la wig, avant cette wig-ci appartenait à Queen. Mais voilà, donc malheureusement les dolls, c'est un loisir dont je m'occupe plus trop parce que c'est un loisir qui coûte assez cher et qui prend un petit peu du temps aussi. Donc voilà, j'ai une BJD aussi qui est dans un coin que je vous montrerai peut-être un jour et qui sera en fait l'héroïne de la saison 2 de cette série. Donc voilà, je range vite ma doll parce que c'est assez ennuyant, donc je vous reprends après. Donc aussi, je voulais réagir à autre chose. Certaines personnes m'ont dit... ont trouvé que je préférais, que j'avais l'air de préférer davantage Queen à Kazay. Je sais pas, non. Enfin, moi en tout cas, personnellement, je les aime toutes les deux. Maintenant, c'est vrai que Queen est la première pulipe, la première doll de collection que j'ai achetée. Kazay est un cadeau. Enfin, je sais pas, même non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Vous m'avez aussi dit, ah bah je dis, le coin de Queen est plus chargé que celui de Kazay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas forcément envie de tricher pour avancer dans le jeu. Donc voilà, c'est pour ça que fatalement, bah, c'est un peu m'a rempli. Hein, faut bien que j'économise des sous pour pouvoir meubler correctement. Donc voilà. Donc pour rappel, donc pour ceux qui viennent de prendre la série en cours, je vous invite peut-être, je suppose que vous avez vu quelques instants plus tôt la vignette épisode précédent, fin d'épisode, vous verrez une vignette avec la playlist, n'hésitez pas à cliquer dessus si vous venez de me découvrir et si vous avez aimé cet épisode tout simplement, pour voir depuis le début, voir comment est-ce qu'on en est arrivé à une grande maison comme ça. Donc, certains aussi m'ont dit que je vais peut-être bloquer les portes pour... Enfin... Je sais pas, pour tout le monde sauf Gabriel, ce qu'il y a, c'est que si je bloque la porte, Queen ne sera plus rentrée non plus. Donc, c'est un peu compliqué. On va rester tel quel, c'est pas un drame. C'est pas un drame si parfois il court. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais regarder au niveau du boulot où mes Sims en sont. Programmation, il a fini sa tâche. Il est crevé, le petit loupio, là. Ah, mais tu dois les pissouiller, en fait. Donc, hop, utiliser, voilà, je vais déjà checker un peu tout le monde, toi, oh là là, toi t'es crevé, allez, va dormir, toi, oh là 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 là, mais tu es fatigué. Première chose qu'on va faire, je pense qu'on va modifier le frigo ici, prendre une portion, et notre petite queen, ah bah elle dort. Donc voilà, hop, on lance. Donc, oui, voilà. Donc, notre objectif dans cette série, c'est de, ben déjà, si on peut, mais c'est pas dit qu'on fasse ça jusqu'au bout, si on peut, c'est faire grimper les cahiers de nos dolls au maximum. Et autre chose aussi, bah, c'est tout simplement, donc, la série, donc cette saison 1, s'arrêtera sur le mariage de Kazay avec Yann.
Je chaque fois quand je l'ai appelé. Et de Queen avec Gabriel, tout simplement. Donc, pour ceux qui viennent de débarquer, qui est Kazay par rapport à Queen? Elles sont simplement meilleures amies, en fait, tout simplement. Voilà. Ni plus ni moins, elles sont meilleures amies. Au départ, elles habitaient ensemble, puis après, elles ont craqué sur deux mecs qui, eux, étaient aussi en colocation. Ben, du coup, ben, hop, ils ont décidé de garder le concept de colocation. Et chacun a juste sa petite aile, juste son petit côté de la maison. Donc voilà. On m'a demandé aussi si j'allais faire le jardin. Si ça se met, oui, je le ferai. Si ça se met, si j'ai assez de sous à un moment, oui, je le ferai. Je sais pas, je pense pas que cette série va durer encore très longtemps, je préfère vous le dire. Donc voilà, je préfère vous le dire. Non mais écoute, ça ira. Bah, j'ai pas envie que tu mettes la vaisselle à côté chez ta voisine. Enfin, même si c'est ta meilleure amie. Hein. Donc hop. En tout cas, j'étais super, super contente parce que vous m'aviez dit que... Enfin, vous m'avez dit en tout cas que vous aimiez pas mal le look du bureau de Queen. De Kazay, pardon, excusez-moi. Que vous aimez pas mal son bureau, bah moi aussi je l'aime beaucoup. Je trouve le tout très très frais en fait, c'est vraiment agréable. Vraiment chouette. Donc, ok, toi. Ah mais oui, mais faut que je m'occupe de toi mec. Ah, là, ah ouais, c'est un truc de déco. Oh là là, j'ai du mal hein, avec les décorations. J'ai vraiment du mal. Hop. Mince, je voulais le vendre. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des sous maintenant? Je vais essayer d'améliorer tout simplement eh bien, le côté de Kazay maintenant. Lui fournir de meilleurs équipements. Lui fournir un autre frigo. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Améliorer vraiment la zone en fait. Améliorer tout ça peut vraiment être bien. Faire un beau bar, offrir vraiment un très beau bar à notre petit barman. Donc toi, tu manges un petit bout, tu bosses aujourd'hui? Oh, il bosse et il est dans un de ses états, les amis. C'est abominable. Ouais, non. Va dormir un coup. Là, hop. Queen. Vient de se réveiller. Elle bosse pas aujourd'hui. On a une douche tonifiante, ok. Ouvrir, hop, je prépare déjà tout à l'avance pour elle. Notre petite Kazay, comment est-ce qu'elle se sent? Elle joue en kilo à son PC. C'est nickel. Oh, tu joues à des jeux chelous, ma puce. Hein. Tu joues à des jeux très bizarres. J'ai trouvé un autre skin de doll sur un site, je ne sais plus où. Je sais plus où. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Mais si je le retrouve pas, voilà, ne m'en voulez pas. Je sais que je l'ai partagé sur Twitter il y a quelques semaines. Au moment où vous verrez cet épisode, plutôt. Ça fera quelques semaines. Et pardon, excusez-moi. Et j'ai testé sur les garçons, c'est pas terrible. Donc du coup, bah voilà. Et puis j'aime bien les filles, leur skin à elle de doll comme ça s'est mis. Donc voilà. Enfin comme il est sur elle, comme il tombe sur elle. Donc du coup, voilà, je vais pas le changer. Mais je l'ai quand même gardé parce que je le trouve cool et je me dis que si un jour je fais d'autres dolls, si je relook des Sims dans le quartier et que je mettre un skin de doll, bah. Ça pourrait faire vraiment un chouette effet. Bon. Oh, c'est moi, elle est pas maquillée. Elle a vraiment l'air pas maquillée du tout, là. Au niveau de son boulot. Il faut qu'elle joue un instrument. J'aimerais quand même bien... Piano, guitare ou violon. Et de musique. What? Je vais balancer tout ce qui ne me sert pas. Le vendre. La salle de musique. Oui, j'ai ma guitare. Oui. Je
Je donne instrument. Si je fais s'entraîner, je sais déjà plus si ça le fait ou pas, si c'est bon ou pas. Elle, notre petite puce. Hop, tu arrêtes tout de suite. Voilà. Ah oui, oula, tous ces sous qui tombent, ça c'est bien ça. Tous les romans qu'elle a écrits, ça fait zizir. Oula, par contre, ça devient n'importe quoi. Et toi, il faut que tu ailles travailler. Bon, ça lui a fait du bien. Et les joueurs, what? C'est à cause de quoi? À cause des petits ici, je pense. D'accord. Désolée, j'aime bien cette photo-là. On voit Kazé qui jardine et Queen qui joue de la musique. Je trouve ça cool. En fait, pour tout vous dire, j'ai limite envie de faire un truc. C'est de que Kazé lâche son boulot. Pour s'occuper du jardin. Et qu'elle écrive des romans et qu'elle gagne sa vie comme ça simplement en écrivant avec le droit d'auteur. Je me dis que ça pourrait être chouette. D'ailleurs, je pense qu'on va faire ça. Avoir une Sims qui reste à la maison, ça peut vraiment être cool. Hop. Démissionner. Elle sera un petit peu triste. C'est pas grave. Ça l'empêchera pas de toute façon de faire carrière dans les romans. Enfin, de vendre des romans, des choses comme ça. Voilà. Ce sera pas un problème, je pense. Lui, il travaille aujourd'hui? Lui, il travaille pas, lui. Non, lui, il est. Il a fait une de ses. T'as fait, il a fait une de ses grasses mat, le petit pépère, là. Hop. Le plan de poubelle, que je sais même pas comment il est arrivé là. Et on va arroser tout. Non. Hop. What, qu'est-ce qui se passe? Très énergique, oh my god! What? Ah cool les œufs! Est-ce que ça joue? Ok. Ah, Sweetie! Ah, c'est bon, l'autre doll, celle qui fera la saison 2. Non, c'est bon. Hop. Vas-y, va m'arroser ça, ma belle. Ah ben, hop. Ah ben. Une ambulance, tiens. Ça ne change pas grand-chose, hein. Ma puce, toi aussi, arrose. Est-ce qu'elles sont toujours bien amies? Voilà, c'est nickel. Un truc que j'aimerais faire pour le jardin, en fait, les gars. Enfin, quand je dis les gars, c'est les gars, filles, c'est. Je généralise, hein. Faut pas prendre ça mal parce que je sais qu'il y en a qui sont doués pour ça.
J'aimerais bien mettre une piscine en fait. Avec une petite terrasse. Limite déménager le potager sur le côté ici. Faire une petite terrasse ici avec des transats et tout, ça peut être chouette. Ah oui, aussi un truc la fois passée. On va voir ce qui s'est passé la fois passée, regardez l'état d'humeur de Kazé. Fiancé, les amis. J'avais totalement zappé en fait. Je vous l'avoue. Je fais tellement de séries que donc du coup, bah. Il y avait un secret bien enfoui. Tant qu'à faire, hein, s'il est très énergisé. Ah ouais, non, il est plus énergisé. Il est juste heureux. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est bien aussi. Bon, ici, notre puce. Voilà, elle a fait tout ce qu'il fallait, c'est nickel. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de la faire en sorte qu'elle soit peut-être de bonne humeur et tout, qu'elle soit bien, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de ses compétences? Cuisine, elle a 3. Elle va s'entraîner au piano, ça peut être bien. Qu'est-ce qu'elle fout? Moi, je veux faire crac-crac avec Yann. Qui est là? Oh, elle est flippante! Oh, elle est flippante! Ah oh, oui, j'adore cet appli-là que j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps. Je les trouve trop beaux. Ah, Gabriel revient. Oh, il est claqué, le pauvre! Oh mon Dieu, il est claqué! Il bosse encore le lendemain, c'est horrible. Voilà, hop. Elle aussi, lui. Ouais. Je suis désolée les amis, en tout cas, il serait vrai que ça ne sera pas passé grand jour dans cet épisode. Vous savez que c'est une série qui est plutôt assez calme, posée. On se prend pas la tête. Donc du coup, bah voilà. Possible que si j'en ai marre, que si un moment je trouve que ça traîne de trop, que je mette carrément le code d'argent moi-même et que je meuble tout le reste. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hop. Ouvrir. Mais allez, mets-toi dedans. Ok. Donc lui, il est pour devenir mixologue, préparer à manger. Va le faire cuisiner pour tout le monde. Ça pourrait être bien pour son travail, comme ça sera fait. Mais tout ce téléphone qui sonne, mais tout le temps. Mais oh, voilà. Ok. La petite puce ici, elle dort, c'est parfait. Oh, compétence 7 en cuisine, c'est trop cool ça. Ici, 25% seulement? Hop, spaghetti, repas de groupe. Nickel. Ouais.
Je peux peut-être en fait de comment ça va, comment est-ce que je vais arranger le salon ici? Soit je mets une télé ici, je mets le canapé là. Et je bloque en fait avec une bibliothèque ici, je sais pas, je me tâte vraiment, je sais pas trop comment je vais le gérer. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est des bonnes idées. Sur notre petit Yann. Des spaghettis bolo là. Ça va, j'ai une bonne petite pizza à midi. Un truc que j'aime bien parfois, comme de quoi les choses les plus simples sont fortes, enfin sont souvent les meilleures. Un truc que j'aime bien, c'est pas placement de produit, c'est pas de la pub. Je vous fais juste part de mes goûts. En Belgique, on a un supermarché qui s'appelle Delez et j'adore les petites pizzas à 1,20€. Je crois que c'est 1,30€ du Delez et je mets du fromage dessus que j'achète en plus. J'adore ça. Ouais, alors 50% seulement le truc, mais ça te prend mais trop de temps. Par contre, quand je regarde les plantes, les fleurs, j'ai mis envie de les mettre sur le devant parce que. Il n'y a pas assez de déco. Mettre tout ce qui est fleurs ici sur le côté, ça peut vraiment être joli. Limite, je ne les récolterai même pas, je les laisserai. Tel quel. Très beau. Elle fait vraiment le plus petit potager derrière. Vous savez quoi? Je vais faire ça maintenant. Au moins, on aura fait quelque chose dans ce let's play. Donc, on a. Je vais peut-être juste récolter une fois le lys parce que j'en ai qu'une fois. Voilà, comme ça j'en mets de l'autre côté au même endroit. Les genres de petites fleurs ici. Hop. Ouais, c'est un peu plus joli, hein. Le plomb de poubelle, on s'en bat les steaks si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est quoi? Des marguerites. Hop. Et même en fait, à mon avis, ce que je vais sûrement faire. Je vais laisser deux plants. De chaque. Parce que ça sert à rien d'avoir autant de plans en fait dans le jeu. J'ai remarqué. Mes fraisiers vont aller là. La sauge ici. Et je me dis qu'aussi deux de chaque c'est amplement suffisant. Donc je vais dégager les chrysanthèmes. Voilà, comme ça. Il faudra juste que je trouve un lys pour le mettre là. Ça sera parfait. Voilà, non, c'est bien. Là, comme ça me plaît. Peut-être aussi qu'il faudra que je mette un système d'éclairage ici à l'entrée. Ça pourrait être joli. Ça pourrait vraiment être chouette, ouais. Bon les amis, en tout cas moi je vais vous laisser, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, le play est très calme malgré tout. Oula, qu'est-ce qu'il a Gabriel? Il a besoin de pisser là d'un coup. Ok, d'accord. Oh merde! Qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Il y a Kazé qui prenait son bain, je l'avais pas vu. Oh la honte! Oh la honte! Oh je vous jure la honte! Mais t'es con, t'as une baignoire juste là? Bon, je le referai plus ou moins la même salle de bain parce que là ça devient n'importe quoi là. Enfin, je pense qu'il faut en fait que les meubles soient de qualité similaire en fait d'un côté comme de l'autre parce que sinon ça devient n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie. Je vous fais des gros 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 bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao!